exporter des viandes blanches et rouges qui sont produites à 10 000 km avec force antibiotique et des grains arrosés de chimie. Des pneus et de la paille déversés sur ce rond-point. Une cinquantaine d'agriculteurs protestent contre l'interdiction de traiter leurs champs à moins de 5 mètres des habitations. Ils étaient payés par Monsanto ou approchés par Monsanto pour que leur publication... On aimerait vivre de notre travail quand même. Enfin, on ne demande pas la lune. Hein. On fait des heures par-dessus la tête. Enfin, on aime notre métier, mais bon, les sacrifices, à un moment donné, il ne faut pas non plus exagérer. Quoi. Vous savez ce que c'est le glyphosate? C'est quelque chose qui est dans les pesticides, non? Ouais. Un pesticide qui empoisonne les gens et les terres. C'est vrai que c'est une belle cochonnerie, oui. C'est ce que vous en pensez? Absolument. Jamais les porcs ne seront balancés. Action directe de justice maintenant sur Boucherie Abolition. Alors là, vous êtes en morse ou quoi? Acte 9. Aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'un agriculteur se suicide tous les jours. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on se parle, il y a un agriculteur qui s'est suicidé. Hier, pareil, demain, pareil. Donc à un moment, si on a envie que ça change et qu'on a envie de leur redonner passion et plaisir dans leur travail, dans leur métier, qui est un métier important, puisqu'il n'y a pas de pays sans paysans. Et que la France, c'est un pays agricole et qu'on est en train de tous les perdre. C'est moi, Anaïs. Anaïs, j'ai rien contre vous et je comprends tout à fait votre cause. Très mais juste, Anaïs, là, on a l'impression que vous donnez des codes. On dirait qu'on va lâcher des sous-marins nucléaires. Passionné. Donc, c'est-à-dire, c'est une perte de compétitivité totale pour nos exploitations et ce qui va avec. Et en plus de ça, vous avez ces fameuses surfaces-là. Où est-ce que les agriculteurs payent des fermages dessus? Parce que pour la plupart, ils sont locataires du terrain et ils payent un impôt qui est la TATFNB, donc taxe foncière sur le non-bâti. Après avoir bloqué des tronçons du périphérique parisien tout au long de la journée, les agriculteurs finissent par lever le camp. Cessez, arrêtez ce dénigrement permanent de l'agriculture et des agriculteurs. Les agriculteurs et les agricultrices ne sont pas des pollueurs, ne sont pas des empoisonneurs. Ce sont des femmes et des hommes qui font une agriculture qui est durable et qui nous permet d'avoir une alimentation de qualité. C'est un premier pas, après on attend vraiment la réalisation. Trafiquant d'organes n'a jamais été un métier, ni tueur, ni... excusez-moi, c'est factuel, c'est factuel. Ce sont des organes. C'est la définition de ce que vous faites. À partir du moment où il y a de la marchandisation de corps ou d'organes, c'est le trafic d'organes. Allez bien dans le micro, Et voilà, il faut arrêter d'inverser les victimes. Et vous, pour votre petite supériorité, votre suprématisme humain, juste... Enfin, voilà, je vous invite à aller dans des élevages, dans des vrais élevages, pas là où il y a la propagande. Vous voulez construire une France comment? Une France où on mange plus de viande, où on mange plus de poisson? Exactement, une France où on arrête. Je veux juste vous rappeler qu'on est des animaux parmi des animaux. Vous voulez manger du soja OGM à la place? Mais arrêtez, les animaux que vous mangez sont remplis d'OGM déjà. Mais c'est pas le débat. Monsieur, il met pas du soja OGM à ses animaux, ça m'étonnerait.